Mes chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui vous proposer une émission exceptionnelle qui va nous montrer que nous pouvons mener en même temps, en parallèle, la vie religieuse, la pratique religieuse et la vie tournée vers la cité. Pour ce faire, nous allons tout de suite partir à Jérusalem à la rencontre de Jérémy Bérébi, qui est à la tête de plusieurs start-up, qui soutient différents mouvements de société, tout en menant une vie religieuse pratiquante avec des yeshivot en parallèle. Et puis nous nous retrouvons ici avec Ariel Goldman pour nous montrer comment est-ce qu'en France, aujourd'hui, nous pouvons combiner de la même façon notre vie de la cité et professionnelle avec notre vie religieuse et pratiquante. Dans son ouvrage intitulé « Yesilat Yesharim, le sentier de la rectitude », le Ramchal nous écrit et nous enseigne que l'homme ne doit pas avoir peur du monde matériel dans lequel il vit. Dieu nous a créés dans un monde de matière et nous sommes placés sur cette terre pour nous y investir et pour le sublimer. Mais tout de même, il faut faire attention à ne pas être complètement englouti par cette matière. Et il faut être en mesure de ne pas perdre la direction. Comme nous le dit Shlomo Ameler, le roi Salomon, dans le livre des Proverbes, « Bechol derachea daehu » Dans tous tes chemins, dans toutes tes voies, n'oublie pas le lien qui doit exister entre toi et ton Créateur. Et suivant ce principe-là, je voudrais aujourd'hui dire Baruch Haba, bienvenue à Jérémy Bérébi. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, investisseur dans plus de 300 startups. Mmh. Et nous allons ensemble aujourd'hui parler d'un thème particulièrement important, celui de l'éthique dans le monde des affaires. Un sujet particulièrement important qui nous concerne tout un chacun. Dans notre quotidien, comment est-ce que la Torah aborde ce sujet? Est-ce qu'il y a peut-être un peu de distance à créer entre l'approche juive, l'approche spirituelle de la Torah et le monde des affaires qui peut nous entourer? Qu'est-ce que la Torah nous dit à ce propos? Alors déjà, il y a quelque chose d'important, c'est de se rendre compte que le judaïsme n'est pas une religion de rite. C'est-à-dire qu'on a souvent l'habitude de penser au judaïsme, de penser à la synagogue, de penser aux lumières de Hanouka, de penser au Shabbat. Mais on voit que la Torah, le Shulchan Aruch, le Talmud, regorge de lois qui concernent les lois envers son prochain. C'est-à-dire des lois de relations entre personnes. Les lois de relations entre personnes, c'est quoi? Ce n'est pas uniquement relation avec ses amis, c'est relation avec toutes les personnes qu'on va croiser dans la journée. Ça peut être l'épicier, ça peut être son patron, ça peut être ses employés, ça peut être ses collaborateurs dans son entreprise, ses fournisseurs, ses clients. Et en fait, la Torah, immédiatement, après les 10 paroles, après les 10 commandements, Moïse transmet des lois qui vont concerner effectivement des lois de relations entre personnes. Je pense, à titre personnel, que beaucoup de Juifs ont un peu oublié en fait ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a eu l'habitude pendant les 200 dernières années à vivre un judaïsme de synagogue, un judaïsme qui est effectivement qui ne dépasse pas en fait la frontière, la porte de la synagogue. Donc à la synagogue, on se sent proche de Dieu. Et quand on sort de la synagogue, on dit on est dans un monde profane. Et en fait, ce concept de monde profane n'existe absolument pas dans la Torah. C'est-à-dire que Dieu est présent partout, il nous suit partout, et il attend de nous des réactions à n'importe quel moment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et qui permet surtout de se sentir associé à Dieu. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, quand on se lève le matin, on doit faire Netilat Yadayim, on doit se laver les mains. À partir de là, la première chose que je dois faire, c'est de me dire, voilà, Dieu va me mettre face à plein d'épreuves, plein de choses, va me mettre en face d'un client potentiel à qui je vais pouvoir mentir, tricher, ou alors avec qui je vais pouvoir être absolument droit. Et en fait, Dieu va me mettre en place devant plein d'épreuves pendant cette journée. Et moi, je dois effectivement à chaque fois réussir l'épreuve qui va me mettre en face de moi. Et ça, donc, ce n'est pas à la synagogue, ce n'est pas uniquement, évidemment, à la synagogue aussi, on doit faire attention à son prochain, on doit faire attention à la manière de parler, la manière de communiquer avec les autres, le sourire qu'on peut faire aux autres, mais ça va se passer, effectivement, dans le monde du travail. Aujourd'hui, on passe la majorité de notre vie au travail.
D'accord. Même si on passe un peu de temps à la maison, et effectivement on passe beaucoup de temps en train de dormir, la majorité de notre vie active est passée dans le lieu de travail. Il serait quand même un peu triste de se dire qu'à ce moment-là, Dieu n'est pas présent avec nous. Ou Dieu est présent, mais il n'attend absolument rien de nous, puisque ce n'est pas le lieu. Donc vraiment, la vraie vie, c'est d'arriver à intégrer Dieu à n'importe quel moment de notre... Alors, c'est vrai que ce point-là est vraiment très important, et vraiment, j'insiste, moi aussi, je m'associe à votre premier raisonnement. Donc, nous n'avons pas une spiritualité pure qui exige de l'individu de se séparer de tout notre environnement et de rester enfermé, soit donc à la synagogue ou bien dans notre livre d'études. Il faut être capable aussi donc, d'amener cela, d'amener cette lumière, d'amener cette intériorité que l'on peut peut-être puiser et développer dans certains lieux, effectivement, pour être capable de les amener à l'extérieur, et peut-être même qu'il y a plus d'épreuves à surmonter, puis finalement c'est le lieu de l'épreuve, c'est bien l'extérieur plutôt que l'intérieur. Tout à fait. Vous savez, moi je vis dans une ville qui s'appelle Bnei Brak, qui est la ville orthodoxe d'Israël. Et les gens s'attendent, en arrivant dans cette ville-là, une ville religieuse, s'attendent à avoir une ville calme, où effectivement les gens sont à la synagogue ou sont en train d'étudier. Où ils prient toute la journée, et les gens dans la rue sont extrêmement calmes. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est explosif. Les gens courent dans tous les sens, il y a des familles nombreuses. C'est 8 enfants en moyenne à peu près à Bnei Brak. En fait, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est... La vraie erreur, c'est de penser que Dieu nous a envoyés sur Terre, dans un monde matériel, pour ne rien en faire. On est là dans un monde matériel pour justement sublimer le matériel et faire en sorte à ce que ce matériel-là soit utilisé de la meilleure manière qui soit. Ce qui est important dans notre vie, c'est, comme je disais, d'arriver à vivre avec Dieu à chaque instant. Shiviti Adonai Lenegdi Tamid. Je dois voir Dieu en face de moi tout le temps. Et comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? On ne peut pas le faire juste en disant des mots comme ça, je suis avec Dieu, je suis avec Dieu, je suis avec Dieu, ça ne fonctionnera pas. On doit le faire uniquement en se disant que Dieu attend de nous quelque chose, attend de nous de respecter des règles. On est en train de parler d'éthique, mais en fait l'éthique est un mot un peu trompeur, parce que l'éthique, on pourrait penser que c'est quelque chose de facultatif. C'est-à-dire qu'on voilà, on peut vivre une vie normale, et l'éthique, c'est de faire des choses au-dessus de la vie standard. Les lois qui concernent la relation entre Ben Adam l'Achavero, entre l'homme et son prochain, dans la Torah, sont des lois obligatoires. C'est-à-dire que quand on enfreint une loi de ce genre, on enfreint une mitzvah de la Torah. De la même manière qu'on peut enfreindre le Shabbat, on peut enfreindre le fait de ne pas manger kasher. Donc ça, c'est quelque chose qui met une perspective beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'à chaque instant, on ne doit absolument pas enfreindre le moindre des choses. Deux points importants. Premièrement, effectivement, j'aime à dire et à rappeler que finalement le judaïsme n'est pas une religion. C'est-à-dire pas dans le sens habituel du terme religion, c'est-à-dire ce n'est pas juste une pratique de gestuelle que l'on met en application dans un lieu fermé qui serait la synagogue, mais que c'est un mode de vie. Un mode de vie au quotidien, à chaque instant. Dieu attend de moi un certain comportement, de mon réveil à mon coucher, de ma naissance à ma mort. Et puis le deuxième point, comme vous veniez de le dire, le lien avec Dieu, le lien avec son prochain, non seulement on le trouve dans l'enchaînement des parachiotes entre Yitro, le don des 10 commandements, et la paracha de Mishpatim qui vient nous présenter les lois de l'homme vis-à-vis de son prochain, mais dans les 10 commandements eux-mêmes. Les deux tables de la loi, 5 commandements à droite, 5 commandements à gauche. Les 5 commandements de droite viennent gérer la relation entre l'homme et son créateur. Les 5 commandements de gauche gèrent la relation entre l'homme et son prochain. Et nous dit le Talmud, ces deux tables étaient aussi importantes l'une que l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défaire ce lien qui peut exister et se dire « moi, je ne sers que Dieu et puis peu importe la relation avec mon prochain, je peux écraser et cracher sur mon prochain, peu importe ». Et inversement, on ne peut pas que développer son lien dans la société avec son prochain et détacher aussi la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Le premier mot des 10 commandements est le « Anochi », le « Je suis ». Le dernier mot des 10 commandements, « L'ereecha » à ton prochain. Donc on voit vraiment dans ce cadre-là des 10 commandements, effectivement, cette double dimension, mettre Dieu dans ma relation avec mon prochain. Tout à fait. Il y a quelque chose, comme vous l'avez dit, la paracha Mishpatim suit la paracha Yitro. Ce n'est pas seulement la paracha, c'est-à-dire que dans l'histoire, quand Moshe Rabbeinu descend donc du Har Sinaï avec les tables, enfin pas descend, c'était même pas descend, c'est une erreur, c'était le Sissivan, quand Dieu transmet ces lois-là, il transmet en même temps
effectivement les fameuses lois de relation avec son prochain. Et si on regarde quelles sont ces lois, ce sont des lois qui nous font face à nos responsabilités. On parle par exemple à l'intérieur des lois de gardien, c'est-à-dire quelqu'un te donne un objet et te dit de le garder. Toi, tu peux te dire, voilà, bah, je le garde, je le mets dans un coin et je n'ai plus aucune responsabilité. Et là, effectivement, Dieu va te dire, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel de se rendre compte que Moïse descend illuminé, plein de lumière, vient de parler à Dieu et il arrive en faisant des choses aussi terre à terre. Mais c'est ça justement, c'est la place de la responsabilité. Je suis gardien, je dois faire attention à ce que j'ai, aux objets que j'ai, et je ne peux pas après me dire, Dieu a voulu que cet objet soit volé, donc je n'ai rien à faire. Il y a aussi la responsabilité vis-à-vis des esclaves, par exemple. À l'époque, il y avait des esclaves, et la Torah, immédiatement, est en train de nous dire, hey, les gars, on est là, on vous met dans le monde là, on est en train de créer un monde où on veut que tout le monde soit égaux. Effectivement, il reste des hiérarchies, il y aura toujours un roi. Il y aura toujours des patrons, il y aura toujours des collaborateurs, il y aura toujours des esclaves qu'on pourrait appeler aujourd'hui des employés plutôt. Mais attention, il faut les respecter, il faut faire attention à comment vivre avec eux, etc. Donc voilà, donc effectivement, le Shabbat la cacheroute, les fêtes le Shabbat apparaît dans les 10 commandements, mais en tout cas, le détail de ces lois-là apparaît après avoir cité ces lois de relations entre personnes. On ne peut pas imaginer un judaïsme qui va aller nous dire « tu vas prier avec Dieu, tu vas faire tout ce que Dieu te demande et à côté, tu vas être quelqu'un de, on va dire, de pourri, on va appeler ça comme ça, vis-à-vis des gens que tu vas croiser toute la journée. » Cela ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, si on prend le jour de Kippour, le jour du grand pardon, le Rambam précise dans les Ilkhot Tshuva, dans les lois de Tshuva, les lois de repentance, le Rambam explique qu'on peut faire Tshuva sur tout, les lois, vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que je dis j'ai fauté, je pleure, je regrette d'avoir fauté vis-à-vis de Dieu, mais je ne peux pas maintenant regretter d'avoir volé quelqu'un ou d'avoir fait du mal à quelqu'un, je dois aller lui demander pardon. Et tant que je ne lui ai pas demandé pardon, tant que je ne l'ai pas remboursé, tant que je n'ai pas corrigé la chose, non, ces choses-là, ces lois, ces erreurs-là nous restent gravées à l'intérieur de nous. D'ailleurs, on a un verset de la Torah qui nous interdit d'accepter en offrande pour le temple, par exemple, le temple de Jérusalem, une somme d'argent qui serait le produit d'un acte frauduleux ou d'un acte qui serait négatif vis-à-vis de son prochain. Donc on voit là aussi qu'on ne peut pas se racheter simplement en disant « oui, j'ai un comportement irrespectueux d'un point de vue professionnel, par exemple, mais je me rachète parce que j'ai donné tant et tant de pourcentage à la synagogue ou au temple de Jérusalem. » Exactement, ça ne fonctionne pas. On lit le psaume tous les dimanches, on lit dans la prière, on lit le psaume qui nous dit que qui va pouvoir aller auprès du temple d'Hachem, celui qui a les mains propres de vol. Donc effectivement, la Torah regorge de lois qui fait en sorte de nous faire face à nos responsabilités vis-à-vis des autres. D'ailleurs, je précise que ce psaume que l'on lit le dimanche matin est aussi la tefila de la Parnassa de Kippour, c'est-à-dire la prière pour la subsistance, qui est en général vendue très cher dans les synagogues. Tout le monde veut la prière de la subsistance, ils ne savent pas ce qui est écrit à l'intérieur. Beaucoup, on dit bah, effectivement qui est agréé par Dieu, celui qui a les mains propres. Et je peux dire que, étant proche d'un très grand nombre d'entreprises, c'est vraiment une épreuve extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'en fait, on est en permanence. Quand je disais que tous les jours Dieu va nous mettre face à des épreuves, c'est presque toutes les heures. On a en permanence la possibilité de choisir entre le bien et le mal, entre choisir entre effectivement le choix de dire de toute façon je fais confiance à Dieu, j'ai la foi, je sais que Dieu m'envoie ce dont j'ai besoin, m'envoie ma parnassa comme on dit, m'envoie ma subsistance, m'envoie tout ce dont je vais avoir besoin dans ma vie. Donc moi je ne suis pas là maintenant pour savoir comment essayer de rouler la personne en face, non, moi je dois être là pour savoir comment rester le plus droit possible après obtenir effectivement la même chose que celui qui aurait triché. Alors est-ce qu'on pourrait commencer donc à voir peut-être quelques détails précis, concrets, qui pourraient parler à nos téléspectateurs? Est-ce que dans le monde des affaires par exemple, c'est un monde que vous fréquentez quotidiennement, comment est-ce que dans ce monde-là, quelles sont les épreuves qui se présentent à nous? Peut-être juste
Commençons par une histoire rapportée dans le Talmud, dans la Gemara, à propos d'un très grand rave, le Rav Sapara, où on nous dit qu'un jour, alors vous savez, les rabbanim à l'époque travaillaient pour gagner leur subsistance, bien évidemment, et donc il avait de la marchandise à vendre au marché. Donc il s'installe un beau matin au marché, il met les produits à vendre. Et le texte nous dit donc qu'il était en train de faire son schéma Israël, donc il était en train de faire sa prière quotidienne du matin, hein, puisqu'il ne pouvait pas être dispensé de sa prière quotidienne. Et donc il était en pleine concentration dans l'un des moments les plus importants de la prière, le schéma Israël. Et le Talmud nous raconte que juste à ce moment-là, un client se présente devant son objet à vendre et il lui dit « Voilà, je te propose 500 euros pour acheter cet objet-là ». Mais Rav Sapara était concentré dans sa prière, donc il ne répond pas. Il était d'accord à ce prix-là, mais il ne répond pas. Lorsque le client s'aperçoit qu'il ne lève même pas les yeux pour acquiescer sur la somme, alors j'ai dit « Bon, excuse-moi, je me suis trompé, je ne voulais pas te proposer 500, peut-être 600, 750, etc. » Finalement, le Rav termine sa prière et lui dit « Bon, c'est bon, j'accepte de vendre l'objet. » Et voilà donc que cet homme est prêt à débourser la dernière somme annoncée, donc 750, 800 euros. Et le Rav lui dit « Non, 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 tu me donnes 500. Parce que quand moi, tu m'as proposé 500, j'étais déjà d'accord pour te le vendre à ce prix-là. Juste, je ne pouvais pas te répondre parce que j'étais absorbé par ma prière, mais j'étais déjà d'accord pour cette somme-là. » Est-ce que c'est déjà, et est-ce que c'est peut-être finalement l'origine et la source de réflexion de tous nos liens commerciaux ? Alors, il faut savoir que cette histoire-là est une midat rassidoute, c'est-à-dire que ce n'est pas la loi, la stricte loi. La stricte loi ne nous oblige pas à faire ce genre de magnifiques choses. Mais effectivement, quand on a confiance en Dieu et on se dit, effectivement, de toute façon, Dieu m'a envoyé un client, j'allais accepter ces choses-là, on doit effectivement faire ce genre de choses. Il y a une loi pour parler d'exemple, il y a une loi qui est assez exceptionnelle qui s'appelle la loi du Gnevat Da'at, le vol d'esprit. C'est quoi le vol d'esprit ? C'est, je vais prendre un exemple d'aujourd'hui, je suis agent immobilier et je vais présenter une maison à quelqu'un. Et donc je lui montre effectivement l'appartement et la personne me dit « Tiens, c'est intéressant, je vais en parler avec ma femme, d'accord ?» Qu'est-ce que fait en général l'agent immobilier ? Et beaucoup vont se reconnaître devant l'écran. Il va dire, vous savez, il y a quelqu'un d'autre sur le coup, donc je vous conseille de vous dépêcher. La personne qui dit ça, l'agent immobilier qui dit ça, pense réellement qu'il ne fait aucun mal. Alors oui, il ment un tout petit peu, mais bon, c'est pas très grave mentir, vous savez. Et je plaisante bien sûr. Mais en tout cas, il ne pense qu'il ne vole absolument pas, puisque de toute façon, la personne va acheter l'appartement en question. À ce moment-là, il est en train d'enfreindre une règle du Gnevat Da'at. C'est quoi la Gnevat Da'at, le vol de l'esprit ? C'est-à-dire que la personne en face, le client qui est là, qui a visité cet appartement, est en train d'avoir une image qui est fausse de la situation. C'est-à-dire qu'il imagine maintenant que cet appartement est demandé, donc effectivement qu'il est plus important, il est plus intéressant qu'il imaginait, et il va justement, maintenant, le vendeur va le pousser à prendre une décision plus rapide que celle qu'il aurait dû prendre. Le vendeur, effectivement, lui dit ça en disant « Moi, j'ai besoin de ma commission le plus rapidement possible. » Mais il est juste en train d'enfreindre une loi extrêmement grave. La loi Gnevat Da'at, Maïmonide explique dans ses lois qu'elle est encore plus grave que le vol. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Beaucoup de gens pensent, vous savez, dans le monde du business, le plus important, c'est que le client signe son contrat. D'accord ? S'il signe, c'est sa responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Alors qu'au contraire, on dit non, 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 pas le plus important, c'est le client signe. Le plus important, c'est que le client reçoive le produit qu'il avait en tête quand il voulait faire cette transaction. S'il n'avait pas en tête le produit en question, même si ça ne change pas la donne pour lui, à ce moment-là, effectivement, j'en ferai une loi. Et moi, je pense, je sors souvent en parlant de ces sujets-là avec des jeunes, avec pas mal de gens qui rentrent dans la mise du travail, dans les universités, etc. Je leur explique que c'est en ayant ce genre de choses en tête, en se disant que la tromperie peut aller jusqu'au moment où on peut se dire que j'enfreins une loi même si je ne vole pas financièrement quelqu'un, même si, effectivement, il n'y a aucun dommage, à ce moment-là, effectivement, on met la barre très, très, très haute. Il y a ce genre d'exemple qu'on peut avoir, encore par exemple avec Gnevat Da'at, on peut avoir ce genre d'exemple dans notre vie personnelle. D'accord ? J'ai ma cousine qui m'appelle et qui m'invite à Los Angeles pour son mariage. Alors moi j'habite Paris et je ne compte absolument pas aller à Los Angeles au voyage de ma cousine. Et à ce moment-là, donc je dis bravo Mazal Tov, voilà, je suis très content pour toi, merci beaucoup pour l'invitation, et je raccroche en disant bon,
Merci, c'est très sympa. Elle aurait pu trouver un mariage plus proche. Et à ce moment-là, le lendemain, j'ai mon client qui me contacte en me disant « Ok, je suis bien d'accord avec les termes du contrat que tu m'as envoyé. Et ce que je te demande, par contre, c'est de venir le signer à Los Angeles, telle date. » Comment c'est magnifique. Ça tombe le même jour que le mariage. Alors là, effectivement, cette personne-là va aller effectivement à Los Angeles parce que pour son client, il va y aller. Et le soir, va aller au mariage. Et donc là, maintenant, la cousine arrive vers son cousin et lui dit « Waouh, tu es venu pour moi. Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Beaucoup de gens se disent « on peut pas lui dire, on va pas la vexer, j'avais rien à faire de ton mariage. » Non, non, non. Effectivement, il y a deux lois. On doit faire attention à deux lois à ce moment-là. On doit faire attention à ne pas froisser son prochain, ce qui est une loi très importante. Et on doit faire attention à ne pas voler l'esprit. Donc on doit effectivement lui dire la vérité de la manière la plus douce qui soit. « Regarde, je ne comptais pas venir. » Et Mina Shamaim, voilà, le créateur, Dieu m'a envoyé une opportunité de venir à ce moment-là. Voilà, on peut y aller. On a aussi un autre exemple qui est un peu moins lointain que Los Angeles, mais nos maîtres nous donnent l'exemple, par exemple, d'un Shabbat. Si j'ai un invité qui était là et que j'invite à ma table le Shabbat, et s'il rentre et qu'évidemment il voit une table magnifique dressée avec les plus beaux aliments, les plus beaux mets délicats posés sur cette table, et qu'il me dise « Ah, mais tu as fait tout ça pour moi, merci beaucoup pour ton invitation », on a aussi le devoir, mais bien évidemment avec délicatesse, de lui dire en fait que c'est ce que mon standard du Shabbat et que je n'ai pas rajouté pour lui, parce que sinon effectivement je le mets dans une situation où il va peut-être se sentir redevable de quelque chose, d'une gentillesse, etc. Et ce qui ne serait pas honnête à 100% sur le fait d'être redevable, c'est justement l'un des ta'amim, l'un des sens de ces lois-là. C'est-à-dire qu'en fait on peut pas attendre que quelqu'un soit redevable de quelque chose qu'on n'a pas donné. De la même manière, à la sortie de la synagogue, je ne peux pas inviter une personne en sachant très bien qu'elle va refuser, et en insistant, en ne voulant pas qu'elle vienne à la maison. Je ne peux pas inviter en me disant « bon, je suis là juste pour faire le bien ». Donc pareil, c'est le sujet de tromperie. Alors peut-être un dernier exemple comme épreuve en entreprise. À notre époque, bien évidemment, peut-être celui de l'Internet, de l'accès Internet, à travers toute l'informatique qui se développe dans toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a là aussi un risque majeur de vol de son employeur ? Il y a un sondage qui a été fait il y a quelques mois qui demandait aux collaborateurs quel est l'endroit où vous travaillez le mieux. Et personne n'a répondu au bureau. Les gens répondaient dans l'avion, pendant le week-end, le soir, etc., etc. On a aujourd'hui, le bureau est un endroit où effectivement il y a énormément de nuisances, il y a énormément de gens qui viennent en permanence nous parler de choses qui concernent le travail, mais peuvent concerner d'autres sujets. Il y a une loi qui interdit d'écouter des cours de Torah pendant des moments où on travaille. On est employé d'une société, on ne peut pas écouter des cours de Torah, même dans MP3, même si on fait un travail qui est manuel, on ne peut pas écouter ça sans l'autorisation de son employeur. Alors maintenant, Internet. On a la moyenne d'utilisation d'un smartphone par jour, c'est à peu près 100 à 150 fois par jour. Les gens prennent leur smartphone en main, d'accord ? Ça fait qu'à peu près toutes les 5 minutes, on prend son smartphone en main. On vérifie si on a des messages. À côté, il faut 10 minutes pour se concentrer sur un sujet. Donc si on comprend bien, c'est-à-dire que maintenant, si je laisse allumer mon smartphone pendant mes heures de travail, je ne pourrai jamais me concentrer sur mon travail. Absolument jamais. Il y a une loi dans la Torah qui dit comme ça, qui dit qu'il est interdit à un employé de dormir tard le soir s'il est employé le lendemain. Évidemment, s'il a de temps en temps un événement, c'est évidemment accepté, mais il ne peut pas dormir tard. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la personne qui travaille dans une entreprise ait sa pleine capacité. Il doit être quelqu'un qui soit extrêmement efficace. On voit ici en Israël, il y a beaucoup, le monde religieux s'est beaucoup ouvert et beaucoup de gens sont partis travailler. Les employeurs non religieux du pays sont très étonnés, effectivement, de voir à quel point les collaborateurs qui pensent aux lois juives font très attention au temps, font très attention même aux coups de fil qu'ils peuvent recevoir de leurs parents, de leurs maris, de leurs choses, etc., etc. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Si on utilise un smartphone au bureau, il faut demander l'autorisation pour savoir l'autorisation, c'est-à-dire il faut demander à son supérieur comment je peux utiliser mon smartphone, à quel moment je peux envoyer des messages, etc. Il y a une loi là, dans la loi du
la nouvelle loi du travail, le code du travail, qui a été modifié il y a quelques années en France, il y a effectivement des règles. On demande aux entreprises de plus de 50 collaborateurs de préciser des règles d'utilisation du smartphone dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Parce que de la même manière, si le patron est en train de demander à son collaborateur de faire du boulot et de poser plein de questions le soir à son collaborateur, à ce moment-là, effectivement, il est aussi en train de voler du temps de son collaborateur qui n'est pas du temps de travail. Jérémy Verhebbi, merci beaucoup pour ces lumières et pour finalement cette mise en évidence de la responsabilité qui est la nôtre face à notre prochain, face à notre employeur, face à nos employés, face à tous ceux qui sont autour de nous, dans le nom de Dieu que nous portons sur nous et la façon dont il attend de nous que nous ayons telle ou telle réaction et tel ou tel comportement dans ces différents domaines de notre vie. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Ariel Goldman, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, président du FSJU, du Fonds social juif unifié. Et nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour nous montrer comment est-ce que dans la vie d'un juif, on peut montrer et développer en harmonie parfaite le côté professionnel et profane de notre existence avec le côté religieux. Vous êtes avocat d'un côté et d'un autre côté, président du FSJU et particulièrement impliqué dans la vie communautaire. Comment est-ce que vous pouvez décrire votre passage et votre parcours de votre formation dans le monde des avocats, tout en respectant les traditions juives ? D'abord, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit, puisque je suis issu d'une famille très engagée dans la communauté, moins engagée dans la vie de la cité, puisque mon père est le grand rabbin Goldman, ma mère était travailleuse sociale dans la communauté également. Pas remonter à mes grands-parents, mais je pourrais. Effectivement, cet engagement communautaire, il est natif. C'est vrai que l'engagement dans la cité, et particulièrement dans la profession d'avocat, était moins évident. D'abord, je suis le premier avocat de ma famille. Il y en a eu d'autres depuis, mais j'ai ouvert la voie. Et puis, ce n'était pas évident pour un enfant de rabbin, un homme pratiquant, de franchir toutes les étapes que pouvaient constituer les études, les examens qui pouvaient tomber, on en reparlera peut-être, des jours de fête ou des samedis, des shabbats. Et puis ensuite, dans la carrière, trouver un cabinet qui, effectivement, soit compatible avec toutes les contraintes de la tradition. Alors, vous êtes effectivement le fils de l'ancien grand rabbin de Paris. Quelle est la méthode d'éducation qui a été mise en place ? Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un souhait de la part d'un grand rabbin de Paris de voir l'un de ses enfants, son fils par exemple vous, s'impliquer également dans la vie communautaire et exclusivement communautaire ? Comment est-ce qu'il a perçu votre envie de vous impliquer plus, ou en tout cas en parallèle, à une vie tournée vers la cité ? Je pense qu'il aurait été content, certainement, qu'il serait content qu'un de ses enfants ou un de ses petits-enfants devienne rabbin ou grand rabbin. C'est un peu tard en ce qui me concerne, mais on a été élevés d'une façon très ouverte, aussi bien par mon père que par ma mère, et donc il n'y a pas eu de pression, ni dans un sens ni dans l'autre. On nous a élevés avec l'idée qu'un homme ou une femme épanouie, c'est très important. Il y a une tradition, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas l'oublier, mais le choix de sa carrière, le choix de son métier, le choix de son orientation personnelle, eh bien, justement, est personnel et doit vous appartenir. Et je crois que mon père, je lui dois beaucoup là-dessus, mais je pense que nous devons plus à ma mère qui était vraiment là-dessus très, très engagée et pour cette ouverture. Alors, nous avons l'impression aujourd'hui, dans notre monde moderne, que pour réussir dans les études, il faut faire des concessions sur notre pratique religieuse ou sur nos valeurs religieuses. Dans votre parcours à vous, comment est-ce que vous avez su combiner les deux notions sans rien perdre justement à votre identité juive et à votre pratique des commandements de la Torah ? Alors, il faut dire que là-dessus, les choses ont pas mal changé et évolué. J'étais étudiant à une époque où, lorsque un examen tombait un jour de Shabbat, eh bien, si on faisait une démarche préalable, amicale et correcte auprès du secrétariat, on était un, deux, trois, peu importe, il pouvait y avoir des sessions spécifiques
pour qu'on vous permette de rattraper avec des programmes différents, des sujets différents, et ça n'a jamais posé aucun problème. Les choses se sont un peu durcies. La laïcité s'est durcie, peut-être que de l'autre côté, les demandes ont augmenté, les demandes se sont peut-être durcies, elles aussi, mais j'ai le souvenir qu'à mon époque, à la faculté de Paris 1, Panthéon, également à l'école des avocats, j'ai le souvenir d'un directeur qui nous avait installé un groupe en droit pénal qui avait lieu le samedi matin. Il avait accepté que notre groupe le fasse le dimanche matin avec la complicité bienveillante du professeur, qui était un catholique très pratiquant, mais qui avait compris que nous tenions à pouvoir respecter le Shabbat, et il acceptait de nous faire ses cours de droit pénal un autre jour. C'était une autre époque, mais il y avait aussi, je crois, la volonté, et j'ai toujours constaté dans mes études et également dans ma profession que lorsque, en face de vous, vous avez la personne sent que vous êtes déterminé, c'est-à-dire que on ne vous fera pas rater un Shabbat, on ne vous fera pas rater une entrée de Shabbat, on vous fera pas rater un jour de fête. Eh bien, les personnes se disent que c'est à prendre ou à laisser. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a une phrase de Bill Gates. Je ne sais plus si c'est Bill Gates ou Steve Jobs, je les confonds souvent, qui dit il n'y a rien de plus difficile qu'un juif religieux, parce que voilà, si on est convaincu, on est convaincant. Et je pense avoir été convaincant. Alors, bien évidemment, cela a nécessité aussi quelques, non pas sacrifices, mais quelques concessions sur le plan professionnel, parce qu'il y a eu, à l'époque où j'étais jeune avocat, des opportunités dans certains cabinets, d'un grand cabinet de la place, où j'aurais pu postuler, où j'aurais certainement été pris, mais la question du vendredi soir en hiver, du Shabbat, des jours de fête nombreux pendant l'année posaient problème. Donc c'est moi qui ai dit non. C'est ça, mais est-ce que vous avez vécu ça comme un sacrifice? C'est-à-dire qu'effectivement, les opportunités qui nous permettent d'avoir une vie confortable peuvent se présenter et on se dit, bon, je ne le fais pas, mais je me sens mal parce que je perds quelque chose. Je perds une opportunité, mais voilà, je sacrifie un bonheur matériel que je ne pourrais pas atteindre parce que je suis pratiquant et religieux. Est-ce que vous avez vécu cela comme un sacrifice ou plutôt comme une autre orientation, tout simplement, de vie ? Je dirais plutôt ça. J'avais un directeur d'école à l'école juive, M. Picard, qui nous disait « L'important, ce n'est pas de réussir dans la vie, c'est de réussir sa vie. » Et j'ai toujours gardé cette phrase comme leitmotiv. Et moi, pouvoir pratiquer et concilier ma pratique de la tradition et mon métier, c'est ça, réussir ma vie. Et donc, je n'ai pas été frustré, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir fait un sacrifice. J'ai assumé ma vie professionnelle d'une façon compatible avec ma vie personnelle et donc religieuse, parce que je crois, je pratique, et voilà, je voulais que les choses soient comme ça. Et du coup, je pense avoir été épanoui, en tout cas, je ne crois pas que je sois quelqu'un de frustré. Est-ce que vous pensez avoir eu voilà, une approche avec quelques faveurs, puisque vous étiez le fils du grand rabbin de Paris à l'époque ? Alors d'abord, je n'ai pas toujours été le fils du grand rabbin de Paris, parce que pendant longtemps, jusqu'à mes 17 ans, il était le rabbin Goldman, donc bon, c'était l'école. Je pense qu'à la faculté, ça ne se savait pas, mais c'est vrai que quand je suis arrivé au barreau, il y a une anecdote qui est assez sympathique, c'est qu'on m'a rapporté d'ailleurs des années plus tard, le bâtonnier de l'époque à dire « Quoi, c'est le fils du grand rabbin de Paris qui va devenir avocat, c'est extraordinaire, c'est comme si on avait le fils d'un archevêque ». Et donc je trouvais ça amusant. Des faveurs, je ne pense pas, mais je pense qu'une meilleure compréhension, parce que mon père était une autorité rabbinique connue et reconnue du monde juif et du monde extérieur non juif, peut-être que cela a effectivement joué dans le sens où on savait que ce qui était demandé était légitime et qu'il n'y aurait pas d'abus, qu'il n'y aurait pas d'exagération et que malgré cela, on a toujours fait tout ce que nous avions à faire. Je prenais l'exemple d'un cabinet tout à l'heure. Évidemment, toute ma vie, j'ai travaillé le dimanche pour rattraper les jours de fête et les samedis. Ça, ce n'est pas une concession, c'est un mode de vie. On vous connaît pour votre investissement communautaire, que ce soit au sein du FSJU, que ce soit au sein de la Fondation du judaïsme. Comment est-ce que vous avez réussi finalement, une fois que vous avez votre activité professionnelle, dans le barreau, avocat, comment est-ce que vous avez réussi à intégrer ou à réintégrer l'investissement communautaire? Alors je pense que ça, les psychanalystes en parleraient peut-être mieux que moi. Peut-être que c'était pour rattraper justement ce dont on parlait tout à l'heure, pour rattraper le fait de ne pas avoir suivi la lignée rabbinique qui est la mienne. Et du coup, j'ai voulu être une sorte de pasteur laïque, si ça existe. Mais en tout cas, c'est venu assez naturellement
j'ai toujours été engagé. Je n'ai jamais fait que mes études ou que mon travail. J'ai toujours eu d'autres activités tournées vers l'extérieur. Et donc, très naturellement, lorsque j'ai eu une trentaine d'années, j'ai souhaité m'investir pour les autres, en dehors et en plus de mon travail, à titre bénévole. Et donc, je me suis investi au Fonds social Juif Unifié, avec David de Rothschild, avec Pierre Besnénou ensuite. Et puis, j'ai suivi ce chemin qui m'a amené, en 2014, à devenir président des institutions que je fréquentais depuis plusieurs années. Voilà. Et quel est votre quotidien aujourd'hui? Comment faire pour, justement, gérer les deux en même temps, en parallèle, avec autant d'intensité dans les deux? Et puis les deux, et les trois même, parce qu'il y a la vie de famille. On est quand même des pères de famille, et donc il faut aussi, évidemment, ménager le temps nécessaire à la famille. Mais à ce titre-là, les jours de fête et les jours de Shabbat sont des aides formidables pour ménager son temps à la famille. Et pour revenir sur la question que vous me posez, c'est une question d'organisation. C'est pas toujours simple. Il faut ménager deux ou trois agendas avec des bonnes équipes au cabinet, des bonnes équipes dans les institutions, et puis on arrive à courir un peu, mais à aménager surtout son temps, de sorte que personne ne se trouve lésé. Alors, c'est vrai qu'il y a probablement des présidents qui consacrent plus de temps que moi. Moi, j'essaie de consacrer du bon temps. C'est-à-dire que quand je suis sur un dossier communautaire, je suis concentré sur mon dossier communautaire. Mais quand je suis à mon cabinet, je suis concentré sur ce que je fais au cabinet. J'essaye de ne pas m'éparpiller. J'essaye de m'éviter aussi des contraintes qui ne sont pas indispensables. Je pense notamment à certaines représentations, à certains voyages. Si ce n'est pas strictement lié à la fonction ou lié à la carrière, je dis non, même si parfois je le regrette, mais il faut pouvoir effectivement être là où on vous appelle, que ce soit le client ou que ce soit les personnes de la communauté qui ont besoin de moi à chaque instant. Vous parlez d'un investissement laïque au sein de la communauté, mais est-ce que si on creuse un peu, est-ce que l'on ne s'aperçoit pas que finalement, même les activités sociales au sein de la communauté ne sont rien d'autre que des activités religieuses? Oui, je dis laïque, c'est effectivement pas le bon mot. D'ailleurs, il n'existe pas vraiment en hébreu. Je le mettais en regard de culturel et social par rapport au cultuel. Quand on s'occupe de la tzedaka, eh bien évidemment, ça ne peut pas être éloigné de la tradition et donc de la religion. Donc laïque était un euphémisme, c'est plutôt profane que laïque d'ailleurs, que j'aurais dû dire. Nous avons vécu il y a un certain temps une période particulièrement douloureuse pour l'ensemble des communautés, mais en fait dans le monde entier, pendant cette pandémie mondiale. Comment est-ce que le FSJU à gérer cette période, comment est-ce que vous êtes investi pour essayer de maintenir et de donner une orientation à cette association? En 48 heures, le monde s'est bouleversé. Et en 48 heures, notre institution s'est transformée. 360 degrés, évidemment, sur un plan matériel, on a placé les personnes en télétravail ou en chômage partiel, mais surtout, nous avons tout de suite été dans l'activité, dans le proactivisme en faveur des défavorisés, avec la mise en place de lignes téléphoniques pour venir en soutien des personnes qui étaient isolées, des personnes âgées ou malades. On a ensuite vraiment remultiplié, démultiplié nos actions à Paris et dans les régions de France pour s'occuper des paniers de Pessah, parce qu'il a fallu gérer la période de Pessah. Dans le même temps, animer la cellule de crise communautaire pour gérer toutes les questions d'accès ou de non-accès à certains lieux, de fermeture des écoles au début et de réouverture des écoles en déconfinement. Bref, le Fonds social a pris une nouvelle forme. Je dirais que son action a été reçue à tous les niveaux. Nous avons continué à distribuer ce que nous devons distribuer. Nous avons distribué énormément de masques à travers la France aux personnes nécessiteuses, des gants, du gel dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, à un moment où c'était extrêmement rare. On a une chaîne de solidarité qui s'est formée de par nos bénévoles pour se procurer ces masques et ces denrées, enfin ces produits nécessaires pour les personnes défavorisées. Et puis, dans la forme, évidemment, on a mis fin aux réunions. On est passé, comme tout le monde, sur Zoom. Je dois avouer d'ailleurs qu'on va peut-être y rester pour une partie, parce que on s'est aperçu que des fois où on met une heure de transport pour refaire une autre heure de transport pour une réunion qui dure 2 heures, donc 4 heures, on peut le réduire à une heure de Zoom efficace. Donc ça fera peut-être partie des choses que nous garderons
pas tout le temps, mais un peu après le déconfinement, que nous gardons après le déconfinement. Vous avez dit vous-même que l'époque a changé dans votre, à propos de votre cursus professionnel. Qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui à des jeunes qui sont en pleine étude et qui sont confrontés justement à ces difficultés par rapport au Shabbat, par rapport aux examens, par rapport à leur identité tout simplement? Qu'est-ce qu'on pourrait leur passer comme message à eux aujourd'hui? Je pense que le premier message, c'est de toujours être soi-même. Le message que j'aurais envie de leur délivrer, c'est restez vous-même. Vous êtes un juif ou une juive élevée dans la religion qui pratique les mitzvot, continuez à le faire. Il n'y a rien qui justifie qu'on vous empêche de le faire. Le chemin est difficile, il y a des embûches. Prenez des études où c'est compatible. Il y a évidemment des études où c'est beaucoup plus difficile. Il y a des métiers que je n'aurais pas pratiqués moi-même. Par exemple, un juif, il pourrait difficilement, je ne sais pas, être pompier ou policier, parce que systématiquement, on ne peut pas dire « Non, je m'arrête parce que c'est le Shabbat ou les fêtes. » Encore qu'il y a ces questions de piquoir nefesh, de venir en aide pour sauver la vie. Mais je pense qu'il faut trouver une filière adaptée, avec des études compatibles, et qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas renier son essence même. Si on est attaché à une tradition, si on est élevé dans la pratique, si on tient à cette pratique, il faut tenir. Un de mes anciens maîtres, avocat, avait une formule, disait « tenir, y tenir, s'y tenir ». Je crois que cette formule aussi pourrait être reçue par les jeunes. Il ne faut pas lâcher, et puis on y arrive. Alors c'est sûr que c'est plus difficile, mais beaucoup de choses sont plus difficiles. Notre René Neher, André Neher a écrit un livre qui s'appelait « Le dur bonheur d'être juif ». Tout est résumé, c'est difficile. Si c'était facile, eh bien ça se saurait. Mais en tout cas, on peut trouver son épanouissement d'homme juif et d'homme ouvert vers la cité et être en mesure de cumuler ces deux approches en même temps, en parallèle, même aujourd'hui. Selon moi, oui, et il y a des quantités d'exemples de personnes qui, effectivement, sont restées très attachées à la tradition, peut-être parfois même plus que je ne le suis moi-même, qui prennent plus de temps pour étudier, parce que ça, c'est une chose que je n'ai pas assez le temps de faire, mais en même temps, être dans la cité, être dans son activité professionnelle, dans son business, dans son travail, profession médicale, profession juridique, profession financière, il y a quantité de beaux horizons qui peuvent s'ouvrir à notre jeunesse, tout en restant effectivement. Et je pense que notre tradition, avec la richesse de ses textes, avec la richesse de ses coutumes, avec le nombre de rites qui nous sont posés, eh bien, est un renfort considérable, est un support incroyable. Et au contraire, au lieu d'être un poids, au lieu d'être un fardeau, au lieu de peser, c'est quelque chose qui vous donne de la force, qui vous porte et qui vous permet de vous épanouir. Et est-ce que dans votre activité professionnelle, finalement, vos collègues de travail, qui ont peut-être maintenant l'habitude, qui vous connaissent bien, est-ce que du coup, ils adaptent aussi ce qu'ils peuvent vous demander en fonction de votre calendrier, de votre rythme ? Ah oui, même les clients. C'est par exemple le vendredi après-midi, été comme hiver, en général, on ne me dérange pas. Ça s'est fait tout seul, mais tous les confrères, toutes les personnes qui travaillent dans mon cabinet et mes clients non-juifs savent que le vendredi, on ne me dérange pas et adapte. J'ai un client qui est non-juif, qui est italien et qui tous les ans me demande les dates des fêtes et il les barre sur son calendrier pour être sûr que s'il ne me trouve pas le 3 octobre, eh bien, c'est pas que je me suis envolé, c'est que c'est telle ou telle fête juive du calendrier. Donc oui, effectivement, il y a une adaptation. Et est-ce que votre père, le grand rabbin, l'ancien grand rabbin de Paris, le grand rabbin, est-ce qu'il est là à vos côtés pour des fois vous donner quelques conseils et orientations dans votre façon de gérer votre vie avec son côté à lui, sa vision religieuse ? Il m'est arrivé de lui demander conseil, évidemment sur des dossiers communautaires, mais également sur des dossiers juridiques, parce qu'en plus il est juge au tribunal rabbinique, donc il m'est arrivé de parler avec lui de cas juridiques et de recueillir effectivement son sage avis. C'est arrivé plusieurs fois. Ariel Goldman, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci. Et merci de nous montrer que l'on peut effectivement conjuguer au présent, en parallèle, la vie dans la cité et la vie religieuse que nous impose la Torah. Merci.
Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.